tout au long de ces années consacrées à la connaissance et au savoir, une question m'obsédait. Comment notre monde était-il né? Les anciens ont péri il y a un millier d'années, en déclenchant l'extinction de toute vie. Elle m'a montré comment il avait ressuscité. Une petite paria qui ignorait tout de son importance. Grâce à elle, j'ai appris que la vie ne fut sauvée que par un miracle technique. Aube Zéro. Un système de terraformation composé de 9 fonctions subordonnées, chacune jouant son rôle pour remodeler un rocher désolé vers un paysage verdoyant. Entretenu et protégé par les machines. Grâce à elle, j'ai appris le plus grand secret de tous, celui de sa naissance. Elle est un clone d'Elisabeth Sobeck, celle qui créa Aube Zéro. Née pour empêcher une nouvelle extinction. Menée par Hades, une IA malveillante, à qui un mystérieux signal d'origine inconnue a donné sa propre volonté. Et avec un peu d'aide de ma part, elle remporta la victoire lors d'une grande bataille dans la ville de Meridian. Elle devint la championne de l'humanité entière. Son rôle a été crucial, et pourtant, je dois maintenant l'abandonner. Et tandis qu'elle se bat pour réparer ce qu'Hadès a brisé, j'ai fait une découverte stupéfiante. Celle qui annonce à la fois la destruction et l'opportunité. Salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Waouh, je suis si content de vous retrouver pour Horizon 2 Forbidden West. J'avais tellement hâte, j'en ai des frissons. Cette cinématique résumée m'a donné des frissons. Mettez d'ores et déjà le j'aime si vous savez que vous allez passer un bon moment avec moi, évidemment, et que vous allez kiffer ces vidéos. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Votre meilleur souvenir, pourquoi pas, sur mon let's play ou de votre côté sur Horizon. Nous sommes sur PlayStation 5, évidemment. Donc, mettez la 4K 60 FPS. C'est un ordre. On va faire 2-3 réglages dans les menus et on est parti pour une toute nouvelle partie. Bienvenue, bienvenue depuis le temps que je voulais dire ça. Bienvenue dans l'épisode 1 d'Horizon 2. C'est parti, installez-vous confortablement. On va passer une bonne demi-heure ensemble. Allez, direction nouvelle partie. Et nous allons bien évidemment faire le jeu en mode normal. Le niveau de difficulté normal offre une expérience équilibrée entre exploration, histoire et combat. Quoique le mode difficile offre une expérience de combat exigeante tout au long de l'aventure et très difficile évidemment. Je me tâte. J'ai tellement attendu ce jeu les amis. Vous savez quoi? Au diable l'avarice. On va le faire en difficile parce que chaque victoire sera une véritable victoire. Et j'ai trop hâte, je l'ai tellement attendu que... Petite exception à la règle pour ce let's play. Information ATH minimale, observez votre environnement pour trouver votre chemin. Ou des marqueurs et des icônes apparaissent à l'écran pour vous aider dans votre aventure. Et ben on va aller sur l'exploration. Oh là 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 là, j'ai si hâte. Je vais peut-être regretter par contre le mode difficile. Je vous le dis, je vais peut-être regretter. On est parti. Fin du temps de chargement, c'était tellement rapide, let's go. Ah,
Je n'ai plus beaucoup de temps, Elisabeth. La Terre se meurt. Les gens souffrent. Bientôt, ils mourront de faim. Tout ça à cause d'un système de terraformation hors de contrôle. Je suis la seule à pouvoir agir. La seule à avoir ton code génétique. On ne tardera pas à atteindre le point de non-retour. Et après ça, c'est la fin. Ça fait des mois que je cherche ce dont j'ai besoin. Une copie de Gaïa. L'IA que tu as conçue pour contrôler le système. Mais à chaque fois que je crois avoir une piste, ça ne mène à rien. Et chaque nuit, je fais le même rêve. Je marche dans la clarté de la lune, à travers un champ de fleurs. Et quand j'arrive, au centre, je te vois, Elisabeth. Tu m'attends, même si tu es morte depuis 1000 ans. Tu es ce qui se rapproche le plus d'une mère pour moi. Et pendant un instant, je me sens bien. Mais ça ne dure pas. Je me retrouve toujours seule. Le monde est ton héritage, Elisabeth. Je ne le laisserai pas disparaître. Cette vallée en contrebas est la seule piste qu'il me reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Je ferai tout pour la récupérer. Je le jure. Ah, mais voilà Aloy, la sauveuse de Méridian, l'élu des Nora. Tu sais que je déteste ce genre de titre. Alors, considère ça comme ta punition pour avoir filé le jour où on fêtait la victoire sur Hadès. J'ai grandi en Paria, tu te souviens? Je n'aime pas trop les fêtes. Ouais. Mais elle était en ton honneur. Enfin bon. Alors, on fait quoi? Ça doit être urgent pour que tu sois parti si vite. Tu t'es mise à fouiller des ruines? Ou bien tout ça a un rapport avec la Niel? Les deux, en fait. Mais... je dois... Oh non. Ça fait trop longtemps que je te cherche. C'est rien. Après tout ce que tu as fait pour aider les Nora et ma famille, j'ai fait le serment de t'aider, quoi qu'il en coûte. Je vais pas te lâcher. Comme l'écorce sur un arbre. D'accord. Mais si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. Un focus ? J'aurais jamais pensé avoir ton troisième œil. Je t'en donnerai un autre plus tard, et je te ferai copier tes données. Données ? Les informations de l'appareil, tu as
beaucoup à apprendre. Je vais tout expliquer en route. Tu vois tout le temps comme ça ? Depuis mon enfance. En route. C'est bon ? Bon, j'ai récupéré des pièces sur le chemin. Il faut des plantes médicinales pour plus tard. C'est l'heure de ta toute première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Oh là là ! C'était pas une cinématique, les gars. C'est le moteur du jeu, c'est incroyable. Le focus t'aide à repérer celle qu'il nous faut. Et des signaux brefs de votre focus indiquent des ressources, éléments précieux dans votre environnement. Alors, non, vous n'êtes pas fou. Il y avait bien des petits problèmes de mastering audio. D'ailleurs, je tiens à remercier infiniment Sony. J'ai ce jeu une semaine avant sa sortie, ce qui est énorme, évidemment. Et je les remercie parce que ça m'a permis de vous préparer ce let's play et prendre un petit peu d'avance. Et ça, je peux vous dire que ça fait très plaisir. Ok. Alors, déjà, une petite plante médicinale. On prend, tu connais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous pouvez stocker un nombre limité de baies médicinales dans votre sac. Appuyez sur croix pour vous soigner à l'aide des baies. Bah, on va soigner un petit peu. Ouais, mais au moins, elles sont efficaces. Allez, il faut continuer. Waouh, ça fait... On devrait en cueillir d'autres pendant le trajet. Tellement bizarre la cascade sur mes yeux. Bonne idée. L'eau est tellement bien faite que ça me... Je sais pas, ça me fait bizarre. Rejoindre les ruines. Allez, on va traverser tranquillement. Un petit coup de focus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le jeu... Non mais les détails, c'est hallucinant les gars. Là, on est où là ? Oh ! Les détails au sol et tout, de l'herbe et tout, c'est incroyable en vrai. Le sol est teinté de rouge. Ah. La miel a dû le contaminer. Examiner la miel ou le miel ? Une partie de la miel se détache. La miel. Comme une nue. Est-ce que c'est comme ça qu'elle se répand ? Alors, nous avons évidemment pas le patch Day One, étant donné que le jeu n'est pas encore sorti. D'où les petits problèmes de mastering audio que vous avez eu en début. Il y a eu d'ailleurs le même problème dans Horizon Premier du Nom. Donc ça, c'est plus la traduction française qui subit ce problème-là plutôt que la version originale. Alors, on peut aller là-haut. Non, mais le jeu fourmille de détails. On a pendant un long moment pour arriver ici. C'est hallucinant. C'est hallucinant, je suis désolé. Mais regardez ça sur un grand écran, quand même. T'as toujours été bon sur cette piste. Je ne sais pas qui a mis ses cordes ici, mais on peut... Ok, on a quelque chose ici. Prendre tout. Vraie question. J'ose pas appuyer sur la touche de menu, donc on va se garder un maximum de surprises. Je voulais voir un petit peu où ça en était au niveau de la carte. Et surtout, est-ce que je pouvais passer en mode normal si j'assumais pas le mode difficile? Mais on va se garder une surprise. J'ai pas envie de voir la carte par accident. Ça m'embêterait beaucoup. On va se réserver ça pour l'épisode, pourquoi pas, 2 ou 3. Allez, on va passer par ici. Oh, la définition du jeu est complètement folle. C'est complètement... Les gars, je suis... C'est... T'as trouvé quelque chose ? Oui, des provisions. Qu'est-ce qu'on cherche, juste ? La copie ? Eh ben, c'est une IA. C'est dur à expliquer. Toujours en train de piller les carcasses de machines. Nouvelle entrée dans le catalogue des machines. On les avait jamais vues. Les problèmes, ça va d'ores et déjà commencer.
Ok. J'ai pas de quoi ralentir le temps. Par défaut, votre atterrage est paramétré en mode dynamique. Il n'affiche que les informations applicables à la situation. Balayez vers le haut du pavé tactile pour afficher l'ATH complet. Oh. Oh. Incroyable. Incroyable. Rejoindre les ruines anciennes. On va passer en mode exploration. Qu'est-ce que j'ai attendu ce jeu? Quel bonheur de vous retrouver. Là vraiment on va tellement kiffer. On va tellement kiffer tous ensemble. Ça va être insane. Je suis à la fois heureux, très excité aussi de cette aventure. Mais on va en prendre plein la gueule. Ça va être fou. Ça va être fou. Ok. Oh, très bien. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Alors, Bichette, toi, t'as pris de la flèche, hein? Quelqu'un a abattu cette machine récemment. Qui d'autre viendrait ici? Je ne sais pas. On devrait se fabriquer quelques flèches. Ça risque d'être dangereux. Heureusement qu'on a déjà cueilli des cannes de rivage. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Je dois fabriquer des flèches. Maintenez L1! D'accord, et fabriquer des flèches, très bien ça. Ok, donc j'en ai 20. Moi aussi. Regardez comme c'est beau. Mais regardez comme c'est beau. Oh, je suis désolé, mais ouais, je me paluche. Mais c'est fou. Il y a une échelle. Mais on ne peut pas l'atteindre d'ici. On devrait pouvoir débloquer ça avec une flèche. Il faut juste viser le verrou. Ah bah oui! Il y a les gâchettes adaptatives. Ah, j'ai tendance à les oublier. Parce que pour le coup, dans Daylight, il n'y a pas vraiment les gâchettes. En tout cas, c'est pas aussi pointilleux que là. Là, il y a vraiment une très grosse résistance de la part de la gâchette droite, surtout. Regarde. Non, non, attendez, attendez. Non, mais vraiment, je pense que vous saisissez pas. Regardez l'herbe, s'il vous plaît. C'est pas un fond d'écran. L'herbe est modélisée. C'est... Regardez l'herbe sur les turbines, la mousse. C'est incroyable, vraiment. Par la déesse. Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. On va te... Ouais, non, c'est trop... La transmission... Le message que j'ai trouvé ne le disait pas. Seulement qu'il y avait peut-être une copie. Il faut trouver une entrée. Donc là, alors, on recherche. Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ de Méridian? Il y a eu un peu d'agitation quand on s'est aperçu de ton départ. Et puis, on s'est dit que tu devais avoir une bonne raison de partir comme ça. Oui, c'était le cas. Ok, un renard. Mais pauvre renard, il est mort. La Niel ne s'en prend pas qu'aux plantes. Elle tue aussi les animaux. Et puis les gens tombent malades à leur tour et meurent de faim. On doit faire quelque chose. Donc la Niel, vous l'aurez compris, c'est cette mousse rouge qui contamine et tue tout. Et nous recherchons donc une copie de l'intelligence artificielle Gaïa pour relancer les machines. Mais dans le positif, histoire que l'humanité puisse survivre à ce qui va se passer. Incroyable, on peut ouvrir les coffres d'une voiture. Insane. Hop, prends. Ok. Ok, ok, ok. Je suppose qu'il faut aller par ici. La caméra a l'air d'insister. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a là? Pas grand-chose. Oh, quoique. On descend. Ok. R1, c'est donc pour faire un coup de bâton, évidemment. Let's go. Allez, c'est le tuto, vous l'aurez compris. Dans les hautes herbes. J'en avais jamais vu un comme ça. Moi non plus. Ah oui, nouvelle espèce. Point faible à l'arrière. Les machines mortes l'ont alerté. Comment tu veux procéder? Le focus nous aidera. On va scanner la machine avant de l'attaquer. D'accord. Dans une seconde. Bon. Tu vois les parties qui brillent? Ce sont ses points faibles. Compris. Bon, je suis prêt. Centre. Wow!
Mort. Wouh! What? C'est quoi ça? J'ai déjà failli mourir! Ok, on va fouiller. Prendre tout. En voilà un autre. Mort. La vache. Ouais. Le mode difficile, c'est un mode difficile. Comme un chasseur qui étudie sa proie. Oui, si tu veux. Des signaux brefs de votre focus indiquent des composants et carcasses de machines précieuses dans votre environnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la fin de la fête, ma mère a ramené les Nora chez eux. Et le Roi Soleil a affecté ses citoyens aux réparations de la ville. Et je suis parti à ta recherche. Quelque chose. Tiens. Encore what? Quelqu'un d'autre a tiré sur cette machine. Une autre échelle. Je dois tirer sur le verrou. Alors attends, là... Très bon ça. Très bon. Ok. Let's go. En plus, ce qui est bien, c'est que... T'as dit que t'avais un focus depuis que t'étais petit. Ouais. J'ai trouvé le premier quand je suis tombée dans une ruine. J'ai récupéré les autres dans une réserve ancienne. Il vaut mieux en avoir plusieurs. Ce qui est incroyable, c'est que on redémarre pas le jeu en mode on est flingué, tu vois, comme si on n'avait rien vécu. Non, on a déjà toutes les compétences, il n'y a pas de tuto qui te prend par la main. C'est démerde-toi, tu connais déjà, tu vois ce que je veux dire. T'as déjà vécu une belle aventure normalement, donc maintenant let's go. Attends, laisse-moi passer mon ref. Passe ou laisse-moi passer, mais fais quelque chose. Ok. Oh là 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 là, c'est tellement beau, j'ai tellement hâte de voir la suite déjà. Très bien, donc le petit sprint, hein. Par déjà ici. Failli mourir, hein, faut le savoir. On va dans les ruines des anciens. Que la déesse nous protège. Ça va aller, Varl. Bienvenue sur le site de lancement de Zénith Lointain. Zénith Lointain? Je sais qu'ils ont échangé des technologies avec Obzero, mais... Pourquoi ils auraient une copie de Gaïa? Veuillez vous inscrire à l'accueil pour la visite. On dirait qu'ils veulent qu'on s'inscrive quelque part. Ok, on va le faire. Veuillez patienter pendant l'identiscan. Accès refusé. Un membre du personnel va venir vous aider. Docteur Sobek. Il n'était pas en bon terme avec Elisabeth. Bon, trouvons un passage. Alors, laisse-moi passer, parce que moi j'ai localisé ça, petit. Et ça, je peux te dire que je prends. Pendant l'identiscan. Ok. Accès refusé. On a un passage. Let's go. On devrait pouvoir forcer cette porte. Hop. On ouvre ça. Ouh. Les problèmes? Du matériel d'escalade. Quelqu'un a dû entrer par au-dessus. Ok. On va examiner. Ceux qui ont laissé ça ici se sont probablement occupés des machines qu'on a rencontrées. Ça serait cool. Où ils sont maintenant? T'es dans le feu, hein, frérot. Hein. Va pas mourir. Hein. C'est que le début du jeu. Oh, qu'est-ce que ça sent? Un campement entier. Détruit. Ah! Ils ont dû venir récupérer des pièces. De l'acide. Ça explique cette odeur. On dirait que quelque chose de gros est arrivé d'en haut. Ça s'est écrasé sur le campement. Et s'est passé à travers le mur. Je devrais aller voir les gravats dans ce trou. Ok. Alors ça, je reconnais, c'est... Ouais, c'est quelque chose de très balèze, ça. Hein. C'est quelque chose de très balèze. Hein. Il y a quelque chose ici, parce que sinon, ça c'est... Je me casse, on va pas rester trop longtemps ici, hein, dans cette pierre. Hein. Non, on n'a rien. On n'a rien. Ok, là peut-être? Je ne sais pas. Là, on a un mannequin d'entraînement. Alors, mannequin d'entraînement. Ensemble de paille, bois et tissu utilisés pour les entraînements en combat. Ah, son état indique quoi? Qu'il a essuyé de nombreux coups.
Ok, on a quelque chose ici. Très bien, hop, évidemment on prend tout. Alors, tiens. La chose qui est passée par là a tout détruit en sortant. Si je dégage les débris, on devrait pouvoir se faufiler. Je trouverai peut-être quelque chose d'utile dans le camp. Aloy, par ici. Je crois que j'ai quelque chose. C'est une sorte de prototype au sérum, je crois. On dirait qu'on peut attacher ce crochet à quelque chose. Et ce mécanisme le rapporte. Il a l'air cassé, mais on peut peut-être le réparer. Accroche-le au débris. Et je tire pour l'extraire. Ça pourrait marcher. Le focus peut nous aider à fouiller le camp et à trouver de quoi réparer cet outil. Mon focus a remarqué quelques trucs à examiner. Ok, des outils cassés à gauche, très bien. Enfin, j'ai ramassé un outil caché, mais là, il y a sûrement la suite. Yes. Il a traversé son armure. On va tout prendre. Une pièce de machine. Elle pourrait servir à réparer l'outil. Parfait. Derrière. Aide-moi pas surtout, frérot. Hein. Aloy, beaucoup trop sympa. Hein. Moi, j'aurais peut-être pas confié un focus comme ça. Je sais pas combien il en a, mais lâcher un focus à un man... Bon, après, c'est Vald, le ref, mais quand même, tu vois. Plus solide qu'une corde. Bon, je crois que j'ai ce qu'il me faut pour réparer l'outil. Voire pour en faire quelque chose de mieux. Tu peux utiliser cet établi. Ah. Ah. Le petit tuto craft. Quel bonheur. Ok. Bah, fabriquer, hein. On n'a pas trop le choix, hein. Un attract... Oh, putain, on va pouvoir se balancer comme Spider-Man. Non. Ah. Voilà un attracteur. Allons le tester sur les débris. Ah non, un attracteur, non, bah on va pas pouvoir se balancer. Ça sert juste à attracter. Attracteur est un outil polyvalent qui vous permet de manipuler les objets de votre environnement ayant une surface irrégulière. Très bien, ça. Maintenez L2 et appuyez sur triangle. Ok. Ah! Ouais, d'accord, ok. Ok. Waouh! C'est. Vraiment pas lâcher R2. Très bien. Ok, ça c'est une nouveauté. Ça me plaît. En vrai, on va je pense pouvoir ouvrir des grottes, des trucs assez ouf. C'est encore mieux que ce que je pensais. J'ai l'impression que ça va pas être simple de sortir d'ici. Je devrais scanner la zone. Il faut qu'on trouve un moyen d'avancer. Là. Ok, mode focus activé. Point d'accès holographique, très bien. Je devrais pouvoir monter là-haut. Point d'accroche. Je pense pas pouvoir atteindre cette échelle d'ici. Ok. Je parie que cette porte cache des choses intéressantes. Mais comment l'atteindre? Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Bonjour, je suis Oswald Dalgard, et je suis ravi de vous présenter Zénith Lointain. Oubliez ce que vous croyez savoir à propos de nous. Notre vérité est simple. Visez les étoiles. Même si vous devez parcourir 8,6 années-lumière pour les atteindre, veuillez vous rendre à l'auditorium où nous vous présenterons. Alors, est-ce que vous voulez le fond noir des sous-titres pour que ça ressorte plus ou non? Dites-le moi s'il vous plaît en commentaire. Auditorium. On va pas tarder à le savoir. Je pense que je m'y prends pas correctement. Ouais, ça sert aussi de grappin. Ça a marché? Cet attracteur est pratique. Dommage qu'il n'y en ait qu'un. T'en fais pas, je vais trouver un autre moyen. Toujours la porte de bunker. Là, il y a des bails. Ça me paraît bien haut.
On verra plus tard. Très bien. On va peut-être passer directement en contournement et on va s'arrêter tout en haut de tout cela. Ok. Très bien. Ça, c'est des nouveautés qui me plaisent. Félicitations, messieurs. Ok. Oh, qu'est-ce que j'ai été bête. C'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute. Let's go. On continue. J'ai pas su m'y prendre correctement. Oh, ça, ça va être trop cool, cet outil. Ça va être incroyable, vraiment. Pour les phases de... Hop, de cascade. Ouh, tu vas pas nous la jouer Nathan Drake, toi, hein. Alors, qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Normalement, il y a la porte de bunker. Je dois faire descendre l'échelle pour voir. Il y a quelque chose et je le veux. C'est un coffre antique. Sur un malentendu, je sais pas, hein, je teste des choses. Ok. La définition du jeu est folle. Vraiment, ça perturbe mes yeux tellement le détail est fin. C'est fou. Je vous jure que j'en fais pas trop, c'est, je trouve. Il y a tellement de détails dans les textures et tout que ça me perturbe en fait. Tellement pas l'habitude de voir des jeux comme ça. Les humains, les Homo sapiens, nous avons toujours repoussé les frontières en tant qu'explorateurs, pionniers, initiateurs. Désormais, Zénith lointain est notre prochaine étape vers le futur. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée. Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite, Zénith lointain le concrétisera en moins d'une décennie. Mais tout cela n'est qu'un début. Quand le vaisseau sera terminé, nous enverrons l'Odyssée et son équipage là où personne n'est jamais allé. Le système Sirius. Là-bas, nous pourrons créer la première colonie extraterrestre. Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre. Mais lorsque nous regarderons le ciel, nous saurons qu'ils sont en route. Et pour citer notre fondateur, le regretté Peter Chivhumbe, la forme d'immortalité la plus pure est... Données corrompues. Lecture impossible. Donc les anciens pouvaient voler dans le ciel, au milieu des étoiles. Oui. Plus ou moins. Ce vaisseau, l'Odyssée, il n'est jamais arrivé sur l'autre étoile. Il y a eu un problème et il a explosé. C'est pour ça qu'Elisabeth leur a donné une copie de Gaïa ? Pour leur colonie ? Erreur. Fichier de présentation publique corrompu. Fichier de recrutement des membres disponible. Voulez-vous le réactiver? Oui, réactive-le. Voyons ce qu'ils ont d'autre à dire. Nous connaissons les projections. Instabilité économique, nouvelle biocontagion, IA menaçante. Tôt ou tard, l'élite mondiale devra faire face à des dangers qui lui seront fatals. Chez Zénith lointain, nous croyons qu'il faut fuir l'inévitable. C'est pourquoi nous visons les étoiles. Vous avez vu ce que nous construisons ici. Une infrastructure pour soutenir la création de l'Odyssée. Un centre de données de pointe qui permettra des avancées technologiques rapides. Et vous avez vu comment nous gérons la perception du public. Investissez et rejoignez-nous.
réservez votre couchette à bord de l'Odyssée. Préservez votre niveau de vie loin des préoccupations terrestres. Ils avaient raison pour la fin du monde, mais ils ne savaient pas encore comment. Alors, ce qu'ils disaient là-bas, sur le futur de l'humanité, c'était donc faux. Ces gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'était sauver leur peau. Eh ben, ça n'a pas bien tourné pour eux. Cet Oswald a parlé d'un centre de données. Là, la copie. Elle doit être stockée ici. On ne pourra pas y aller à la nage. Trouver un autre moyen. Viens. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a fait kiffer, que vous avez hâte de voir la suite. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour l'épisode 2. Bye. On dirait bien, oui. Je me demande comment c'est d'être là-haut, parmi les étoiles.